Salut à tous, c'est le Kenyon, on se retrouve pour ce nouvel épisode de ma série sur Chrono Trigger. Alors, on se retrouve là où on s'était laissé. Je me fais quand même agresser, tiens. Alors, un coup du faucon. Avec de la chance, ça va marcher. Non. Et... C'est un peu chiant. Qu'est-ce que je peux faire? O2 surtout. Mais par contre, Chrono, il est obligé d'attaquer à la main ou... Bon, on verra pas alors. Bon, j'espère que vous ça va. Si ça va pas, courage, ça ira mieux. Hein, de toute façon. Une étoile. Une étoile. Une étoile. Étoile de fer. Oh. Je le vois. Oh la vache. Effectivement, elle est pas mal. Putain, 19 points en plus quoi. Oh, énorme. Énorme, j'ai bien fait de passer par là. Par contre, là, ça donne sur quoi? Ok, on s'en fout un peu. Alors. On va voir ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Un peu bizarre cette salle, je trouve. Et là, nous sommes bloqués. N'empêche, moi je dis, ça commence à sentir la fin là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Une onde. D'accord. On serait pas en train de récupérer les dernières armes de tout le monde là? De choc, invoque chaos. Si, je crois qu'on est en train de récupérer toutes les armes de fin ou un truc comme ça. Donc on va visiter partout. Tant pis si vous aimez pas la musique. Hein. Moi, elle me dérange pas plus que ça. Oh la vache, faut que je revienne tout en arrière en fait. Non? Bah, comment je reviens en arrière? Ah, mince. Bon. Bon allez, vas-y, ça. Comme ça, c'est réglé. Même pas. Tant pis. Alors. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire là pour cet épisode. Ah, mince. Attendez 2 secondes. 3, 2, 1, top. Bon, heureux. Pardonnez-moi, j'ai eu un appel. Ah. La merde. Allez, attaquer. Et il est mouru, c'est bon. Ah vache, l'appel il a duré longtemps quand même. Est-ce que c'était par là? Je suis un peu paumé. Non, c'est pas par là. Attendez. C'est pas par là, c'est pas par là. Est-ce que c'était pas... Ah.
Mars mince. Oui. Ils sont morus. C'est bon. C'est dingue, j'ai vraiment rien à dire en fait dans cet épisode. Truc de ouf. Truc de ouf. Et je sais même pas où aller. Non. Attends, je pouvais passer là. Quel con. Quel con. Pourquoi je suis pas allé là? Non mais frappez-moi quoi. Aïe. Pas comme ça. Enfin tant pis. Bon fatal. Ok, donc les bleus et rouges, la couleur change rien. C'est bien. Et le mage est mouru. Chronomètre de niveau. Oh, ça sent le mob, ça, ce petit truc bleu. Ah non, même pas. Oula. Qu'est-ce que ça fait? Ça va pas débloquer un truc dans cette salle? Non. Mince alors. Une pub. Hop, on va voir la pub. Qu'est-ce que ça fait ce truc là? On entend que ça fait un truc. Un supersonique. J'ai complètement oublié ce qu'était un supersonique. Voyons voir. D'accord, c'est une arme. Je me suis dit c'est peut-être un objet à utiliser pour être plus rapide ou quelque chose comme ça. Mankaiser. Ce serait pas pour robot ça. Si. Ok. Bon bah ça sent vraiment la fin quand même. Parce que là si on drop que des armes. Suite. Suite. Ouais. Suite. Allez. Une armure, d'accord. Qui a le monde armure? Freud. Ok. Il y a pas mal cette armure. On peut aller là, on peut aller là, on peut aller là. C'est le début. Qu'est-ce que j'ai foutu? Moi, si ce n'est pas le début, ça y ressemble fortement. J'aurais pris le coffre quand même si j'étais... Non! Hein. Allez, mourez maintenant. Allez! Voilà, c'est bien, mourez. Je vous en prie, décédez maintenant. Je sais plus c'est dans quoi ça. Si quelqu'un sait, ça m'étonnerait. Ah, c'était par là. Quelque chose en bas. Quelqu'un. C'est une grenouille. Combattant. Bon bah c'est un combattant grenouille. Tiens, c'est étonnant là qu'on peut avoir. On peut tous les avoir. Ouh, il a pris cher le combattant. Il a pris cher. Il aurait mieux fait de rester caché. Hein. Ouah. Oh. Attends, on n'était pas sous l'eau.
Ouais, l'ambiance est quand même assez étrange. Wow! Tout doux, les gens! Ça, c'est fait. Ah non, 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 ça pue la fin. Ça. Ou du moins, on se rapproche du boss de cette époque-là. Eh, mais c'est une fiotte, il tape à 80. Hein. C'est comme ça qu'on tape. Non, mais oh. Alors, ouais. Bon, c'est bon. On a que des lapis, c'est un truc de dingue. Est-ce que je peux m'en servir maintenant? Ouais. Mais en fait, j'en ai même pas besoin, quoi. Hop, on va faire ça. Et puis voilà. C'est réglé. Je vous attends, le mec. Je n'ai pas peur de vous. Oh. Oh. Alors. Alors, ça va légèrement se compliquer. Pour quelques temps, on va faire. Voilà. Et un éther 2. Ouais, j'avais pas vu les points de magie de. Daïla, et de Frog non plus. Bon, ça va, il reste quand même. J'ai peur là. Tu vas me dire. Non? Quoique, je peux encore survivre. Parce que s'il me faut encore 200 de dégâts, je ne mourrai pas. Enfin, ça pue quand même là. Je crois que ça va être chaud, que je vais devoir utiliser du lapis. Je les ai sous-estimés, ces combattants. Deux. Une troisième. Normalement, ça passe facile. Hein. Et le quatrième. Ah, même pas. D'accord. Alors, non, on va faire lapis. Ça, on va faire éther 2 sur Ayla. J'ai pas envie de la taper, ça me fait chier. Par contre, dans le doute, on va quand même reclaquer un lapis parce qu'on en a plein. Voilà. C'est quand même bien pratique, ces petits objets là. Oh, c'est bon, ils sont morts. Voilà. Et voilà. Ah, ils m'ont causé quand même quelques petits soucis. Hein. Ah, confusion. Et dis donc, que fait le sort confusion? Attends. Me suis-je gouré ou... Ah non, c'est faux. Ok. Attaque avec confusion 4 fois. Quoi? C'est comme Estafilade, mais... Bon, je sais pas. Dommage ultime sur tous les ennemis. Oh la vache! Ça a l'air d'être un truc de psychopathe, ça. Heureusement que j'ai l'objet qui réduit la magie.
Grenouille. Peu de PV pour grand dégâts. Ouais, d'accord. Par contre, autant le faire maintenant, ça. Voilà, comme ça on est tranquille. Alors, y a-t-il d'autres monstres? Ouais. Mais qui signe. C'est qui nous fait mal en plus. Bon, tout est relatif, mais. Voilà. Bon, allez, quand même, hein. Pas des tafioles. Voilà. C'est vrai que c'est plus simple comme ça. On one-shot les quatre et puis. Ils nous prennent pas la tête. Je préfère. Eh oh, t'as fait quoi? Je me fais sniper par les statues, quoi. Oh, ça fait longtemps. Oh, le connard. Combattant fouetteur. Alors, on va faire ça comme ça. Bon fatal sur le dernier. Merde. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Les boutons sont juste à côté, le X et le Start sur la manette Xbox. Que vous entendez en plus la manette quand j'appuie. Coucou. L'ancien rocher rouge a été transmis à travers le temps. De cela, un pendentif et une épée furent créés. Une épée? Nous incarnons les rêves de Melchior, scellés dans l'épée. Dépêchez-vous si votre plan est d'affronter la reine. Nous comptons sur vous. Quoi? Mais que se passe-t-il? Ah, je peux la sentir! L'impulsion de la vie éternelle. Force noire. Énergie sauvage. La machine mère, votre majesté. C'est très dangereux. Mère? N'arrête pas, Chala. Il faut continuer. L'immortalité sera à nous. Zil... Ouais, Zil... obtiendra enfin la gloire qui lui est due. Ah ah ah, j'avais trois dans du. Je vais très bien le rire machiavélique. Encore des ennemis. Alors on va éviter de passer par là. Mais non! Je voulais sauvegarder. Ça va être chiant les mecs. Hein. Quand même. On vous a déjà vu. Pas la peine de rester. Ah, le bouclier est détruit. C'est ça que ça dit en fait depuis le début et que je comprends pas. Je croyais que ça mettait un bouclier en fait, mais non, ça le détruit. Alors déjà, on va prendre une petite... Je n'ai plus de tente. Ah si. Bah, je suis pas sur le point de sauvegarde. Bah si, c'est mieux quand même. Voilà. Donc ensuite... on sauvegarde. Et on avance. Qu'est-ce que... Le coup du faucon est quand même bien pratique. Il n'y a pas à chier. J'ai pas vu combien il a fait. Faute. Par contre là on va essayer confusion. Ça me perturbe ça. 73 71 74 73. Donc deux têtes ça fait dans les 280, mais je ne sais pas combien de dégâts il fait de
Donc ça doit être à peu près ça en fait. Il est cool ce sort. Ah, et là, nous a pris le coup de pied. Peu de PV pour grands dégâts. Je comprends pas ce que ça fait en fait. À moins que ce soit quand on n'a pas beaucoup de points de vie, bon, on tape plus fort. Oh, un ascenseur. Oula. Oh, j'adore ces trucs-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cette musique quand même. Et là, on va essayer donc dans confusion. Ah oui, c'est bien ça, ça fait des dégâts normaux 4 fois. Ça rox. Ça rox, j'aime bien ce sort. Et j'aime surtout le pendentif qui... Encore ! Ouais, ceux-là sont plus chiants. Ça, c'est fait. Pas un truc pour soigner tout le monde, lui. Non, non. Avec du bol. Oh, même pas. Oh, attaque X. Ça me surprend toujours quand c'est les ennemis qui me font ça. En même temps, c'est normal. Bon, je pense. Mais pourquoi tout à l'heure, ils ont fait des tornades, là? Je sais pas. Chronomode de niveau. Et encore des mobs. Oula, il y a toutes les couleurs. Allez, rapprochez-vous, surtout. Pas se rapprocher. Tant pis. Ils vont mourir quand même, sauf que ce sera en deux coups, quoi. Il pleut des larmes de sang. Quoi? Ah non! Eh, je t'interdis de faire ça. Alors. Est-ce qu'il n'y a pas un objet, genre l'antidote, qui pourrait réveiller du sommeil? Oh, bah il est réveillé tout seul. Allez! Enfin, je trouve ça quand même un peu cheaté de faire tous les combats avec l'attaque du faucon. Mais bon, c'est le jeu. C'est une attaque cheatée, j'en profite. Ah, tant mieux. Donc, on va se soigner quand même, parce que là, il y en a qui ont pris cher. On devrait aller. Oh! Comme un con, je pensais que ça allait me faire une sorte de passage, un pont en fait qui sort de la lave. Mince, il se dédouble. Oula, j'ai peur. Ou pas.
ou pas. Comme le dirait le marsupilami, bien sûr. Non, je vous l'accorde, c'est très nul. Mais bon, voilà, c'est... J'essaie de meubler. Je sais pas à quoi ça sert de faire ça. Pas indiquer ma présence à l'ennemi, mais... Tu te fais pas trop chier, Frog, ça va? On pourrait se demander, hein. Ça a l'air d'aller. Ah, il a monte de niveau. On monte beaucoup de niveau. Bon, et maintenant, est-ce que ça fait quelque chose? Ah, c'est mieux. Voilà, c'est bien ce que je disais. Hein? Que... Oh, carrément. D'accord. Bon bah, les amis, la porte est ouverte. Oh là 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 là, ça pue. Un élixir. On n'avait pas déjà ça, des élixirs. À croire que non. Restore PVPM, oui, bah évidemment. Oh là là. Je suis perturbé. Est-ce que je vais le faire ou je vais pas le faire? Ah si, allez. Je vous laisse là pour cet épisode qui a pas été, enfin il a pas démarré terrible, enfin même il était pas terrible du tout, hein, j'ai pas argumenté. Ouais, bizarre, je suis peut-être un peu trop crevé, enfin il fait trop chaud en même temps en ce moment pour bien réfléchir quoi, quand même. Attends, on peut pas réfléchir quand il fait trop chaud, non mais vraiment, on peut pas dormir non plus, c'est vachement galère. Je m'évade. Attends, même ça, c'est... Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. J'espère que la série vous plaît, parce que même si je parle pas terrible, le jeu est bien, hein, c'est pas... Faut pas se fier à ce que moi je dis. Enfin, même si je dis qu'il est bien, ça, fiez-vous quand même, parce que le jeu est vraiment bien. Donc j'espère que vous avez aimé. Je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode, qui devrait être dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine et salut !